Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu sur Supermarket Simulator. Donc c'est un petit jeu, comme ça le dit, on va être dans la peau d'un petit market pour faire... on va dans la peau d'une supérette en gros, dans quelqu'un qui tient une supérette, qui gère la supérette. Donc là tout sur le côté, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont à venir dans l'avenir du jeu. Parce qu'il est tout neuf. Donc profitez-en, il est à 10 € sur Steam. Voilà, il est en promotion pour ceux qui ont envie de jouer à ce jeu. Du coup, on va commander parce que voilà, dès qu'on arrive ici, en fait, c'est notre supérette. C'est là pour l'instant, on a ce petit petit truc. Et en gros, voilà, ils nous mettent deux étagères de base, une caisse et l'ordinateur pour faire les commandes. Donc là, comme on peut voir, on est dans marché, produit. Donc là, on va prendre 1, 2. 3, 4, après je crois que ça sera bon, voilà, il nous reste 6 dollars, donc là on va dehors, ça a été livré dehors, et là en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, par exemple, les pâtes là, voilà, hop, on met le carton à la poubelle, donc j'ai déjà fait une partie test moi de mon côté, donc je connais un peu le système de fonctionnement, comme je vous dis à chaque fois de faire une vidéo, je fais un test, donc hop, j'ai fait un bon gros test d'ailleurs avant parce que je me suis laissé emporter par le jeu. Donc, hop. Voilà. Là, on va mettre les prix maintenant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent, on l'a acheté genre 99 centimes le paquet. Voilà. Donc, on sait combien minimum faut pas mettre quoi. Moi, je mettrai jamais en tout ça en fait. Sûr. Donc, là, ils nous disent 3,12. Donc, ce qu'on va faire pour avoir du bénéf. 4. 4 dollars. Oui, c'est quasiment 1 euro au-dessus, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on va mettre 5,50. Voilà. Tac. Là, on va mettre 4. Pas 25. Et là, on va mettre 5,50 en vrai. Voilà. Donc là, en fait, comme après, si vous voyez, je marque sur l'étiquette. Là, je vois, je fais un profit de 4,51 comparé à ce que je l'ai acheté. Donc, c'est un bon profit. Donc là, hop, on va appuyer sur la pancarte open. Donc là, il y a les premiers clients qui vont. Bonjour, monsieur. Alors, on vient d'ouvrir, hein. Ah ouais, prenez... N'hésitez pas, hein. Même la farine, je vous la conseille. Espèce de radin. Non, non, j'ai rien dit. Alors, voyons voir. 50 centimes. Allez, ça part de là. Espèce de crevard. Après, tu vas aller faire tes courses chez Lidl, tu vas te plaindre. Bonjour, monsieur, de la farine. Carte bancaire pour de la farine. C'est vrai qu'elle est un peu chère, je peux comprendre. Si on se baserait sur les prix de la vraie vie, je pense qu'on pourrait encore plus se faire des thunes. Alors, 50, hop, et 5, 75. Oui, parce qu'il faut faire attention de bien leur rendre la monnaie, parce que ces petits crevards, là. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, maintenant qu'on a un peu de thunes, on va se refaire livrer. Genre, pas des céréales, parce qu'on n'a pas assez de thunes. Mais genre, par exemple, attends, c'est quoi qu'il y en a le moins là? Des céréales et de la farine. 50 dollars. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bon. 5,50. Allez, ça part de là monsieur. Voici pour vous. Bonne journée, au revoir. Donc en fait, ce qu'on a moins, c'est les. Pardon, c'est les pâtes. Et la farine. Ok, ça part de là. Allez. Hop là. J'ai mis quoi là? Alors, on a dit les pâtes et la farine. Hop, 14 dollars. Hop, faut prévoir des stocks, en fait. Là, par exemple, hop, hop, on peut remettre. Et là, hop, on pose le carton. Bonjour, monsieur, bienvenue dans une entreprise familiale qui vient d'ouvrir il y a... quelques minutes de ça, hein, vraiment. Alors, 4 euros, voilà, hop, casse-toi. Donc là, en une journée, on va essayer de servir 20, les 25 clients, ce qui serait le top.
Alors, on va essayer de faire une vidéo qui dure au moins durant le tuto. Voilà, et après, si ça vous intéresse de qu'on poursuive l'aventure, qu'on agrandisse notre magasin ou quoi, vous me le direz dans les commentaires. Et j'en ferai une vidéo un peu plus grande. Donc, comme vous pouvez le voyez, le voir en haut à droite, le level, il augmente. C'est un tracteur, une voiture. Et n'empêche, quand tu regardes, ils ont fait tout pour. Ça, c'est une Golf. C'est bon, j'arrive. C'est parfait, monsieur. Merci. Vous aussi. Bon, madame. Oh, vous voulez que je vous tienne le sac, mademoiselle? Eh, vous avez des arguments, hein? Revenez comme vous voulez, hein. Vous voulez la carte fidélité? Attends, deux secondes, toi. Vous voulez pas la carte fidélité, madame? C'est pas, y a pas de parole. C'est pas grave. Comment on fait la meuf, wesh? Au revoir, monsieur. Oh, mon ref! Eh, mais elle est petite de malade! Bah alors, la naine! Pardon. C'est pas gentil pour toutes les personnes de petite taille. Allez, on va remplir le. Hop! Hop! Tu viens juste prendre ça? Oh, t'abuses! Ça va, hein? Ça va, hein? Ça va, hein? Oh! Eh! On se calme, hein? Donc là, en fait, le but, c'est que je vide tout ça, là. Si seulement il y a plus de clients. Et en fait, on va acheter ça, plus la licence. Pas de mi trop cher pour toi. Eh bah, écoute, tu fais avec, mon pote. Hein. Va l'acheter à Leclerc ou un truc dans le genre, là. Va, on va voir. Tu rigoles, là. Il a combien, le pain de mie? 5. Ah oui, non. Ouh là là. Ouh là, on a fait une. 5 euros. C'est, tu vois ça. Parce que. 5,25? Mais wesh. Lui, il vient blanchir son argent chez moi, lui. Normalement, je prends un pourcentage. Hein. Oh, lui m'a dévalisé. Ah, merci aux clients fidèles. Allez hop! On peut racheter du sucre. Du sucre et un pain de mie. Allez, ça part de là. Parce que oui, à partir de 21h le soir, on ne peut plus faire de commande. Tac. Hop, bonjour monsieur, excusez-moi de l'attente, je suis seul à gérer le magasin. Donc, me cassez pas les couilles. Bonne journée à vous. Bonjour, madame. Voilà pour vous. 1, 2, 3, 4. Merde, elle a perdu en euros. C'est du vol. Et reste tranquille, quoi, par contre, parce qu'on va te retrouver avec l'équipe. Hein. Fais la maline. Fais. Bonjour, monsieur. Non, vous inquiétez pas, c'est rien. Alors. C'est bon, elle me trompe pour 1 euro. Alors, elle t'a dû, je l'aurais rendu sur 1 euro. Pas un voleur, moi. Oh. Ça va, on va où là maintenant? Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est pendant qu'il n'y a pas de client, en profiter de mettre ça. Voilà, on vide le carton. Pourquoi je vais pas le mettre à la poubelle? Parce que les fils ont enculés vont venir. Oh, attends, tac. 6,99, ça serait peut-être moi, ouais, quoique ça ferait quasiment 1 euro. Hein. Allez, vas-y, ça part de là. Voilà, alors hop. Il fait nuit, on allume les lumières. Voilà. Bonjour monsieur, juste pour de la farine. Espèce de crâne. En plus, il me passe. Voilà la monnaie, s'enculer. La farine. Tac, c'est bon, on a fait le plein. Ça, du coup, on va le mettre dehors. Hop, poubelle. Madame, partez pas comme ça. Madame!
Je vous en prie, après vous. Oh la cravate. Non mais c'est pas grave. Non, non, c'est bien, c'est bien. Bonne soirée à vous, madame. Oh, lui, il va me régaler. Lui. Deux. Ok, c'est pas mal. Parfait, monsieur. Donc là, comme vous voyez, il est 21h, donc là en bas, ils me disent, on peut passer la journée. Mais je peux passer la journée maintenant. Oh, mon reuf. Oh, ils se sont loupés sur ça. Je peux passer la journée maintenant pour une simple et bonne raison. Que. Tac, tac. Hop, j'attends que. D'avoir fini les trois clients qui me restent. En espérant qu'ils arrivent très rapidement. Bon, du coup, les clients, j'ai attendu quelques minutes, il n'y avait personne qui est revenu, donc du coup, j'ai pas forcé les produits trop chers, c'était forcément monnaie insuffisante. Bon, bah là, c'est moi qui ai fait de la merde. On a gagné 96, on a fait que du profit. On a fait 96 $ de profit, donc moi, j'avais rangé déjà avant de commencer, donc c'est pour ça que j'ai repeint direct, là, comme vous avez pu le voir. Ce qu'il va falloir faire après, est-ce que on a déjà. Des factures, non, toujours pas. C'est celle-là qu'il faut garder de l'argent un maximum pour se payer ça en fait. Pour se payer les 200 $ de licence. Dès qu'on a payé ces 200 $ de licence, on pourra être bien. Tac. Bonjour monsieur. Il y a le compte, bonne journée à vous, au revoir. 120 balles. Ouh, tu m'as régalé toi. Hop. Ah, vous avez des gosses à la maison, vous. Deux paquets là? Ah bah. Ah, d'accord, ça tient 3 jours. Ah, ça doit être des morphalans, vos gosses. Hein. Ou alors t'as fait une équipe de foot. Ça se met bien, une petite McLaren, ça, non? Oh oui, il a explosé le piéton. Bonjour, monsieur. Ce sera tout avec ceci, il vous faut autre chose? D'accord. Je crois qu'il voulait une carte Steam, mais il a dit non. Et ça se vend pas les pattes, hein. Ça a du mal, hein. Acheter la licence, voilà, vous voyez, on va me passer du coup le truc. Donc on va acheter notre petite licence après. Et là, vous voyez, il y a marqué stockage. Dès qu'on l'aura acheté. Oh, les images JPEG. Elle vole pas, hein. Je t'ai vu, hein. 75 centimes, on va essayer de lui rendre bien, autrement il va canner. Il a pris. Attends, il a pris. Et après, peut-être que les pattes, c'est trop. En vrai, non, ça va. Non, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Madame. Un peu de respect. Nous vivons en communauté. Oh Trevor! Oh tu fais quoi ici gros? T'as quitté le Santos? Fais pas la gueule, c'est bon, rigole frère! Rigole! Ça y a aucun humour lui, bonjour madame! Hop! Bonne journée à vous! Ça y est, fais la gueule Trevor! Ah, reviens, je rigole! Je rigole, gros! Il veut rien entendre. Pas mis trop cher pour moi. Tu te balades avec une robe Gucci, je sais pas quoi là. Et genre, c'est trop cher pour what? Oh, les priorités, madame! Les priorités là, au lieu de cambrer là. On dirait qu'elle a. Vraiment, on dirait qu'elle s'est fait planter. Genre, planter dans le sol. Et elle marche comme ça. Ouais, non, elle marche quand même là. Ah, bonjour madame. Enchanté, NG86, bonne journée. Oula, oula. George Biden, bonjour. Il vous fallait autre chose, George Biden?
Voilà. Eh, les pâtes, ils partent pas, hein. Ah ouais, non, non, ils ont pas envie, hein. Eh, pas de mine, hein, pas parti. Hop. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir acheter la licence. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser pour acheter le frigo qui va avec la licence qu'on vient d'acheter. Donc, bien entendu, on va devoir refaire le plein. Donc, là, par exemple, le sucre et la farine. Bonjour monsieur, 4,25, c'est parti. Voilà pour vous. Bonjour monsieur. Ah, enfin, qui prend des pâtes? C'était temps que vous tombiez sur un riche. Hop, hop. Donc là, on va commander farine et sucre. Farine. 2 secondes, monsieur. Hop là. Et sucre. Ça part de là. Ah, c'est madame. Oh, première fois que vous venez. En fait, le décolleté est encore un peu plus bas, madame, la prochaine fois. De nos jours, aucune pudeur, hein, vraiment. C'est dingue, hein. Elle vient de me dévaliser les pattes, là. Oui, je suis à vous dans 2 minutes. Oh, quel travail. Bonjour madame, hop, merci votre carte bancaire, ça veut dire si je mets un 8 de trop. Bonjour madame, tac, tac, on commence à avoir la vitrine maintenant. Hop, 98, c'est parti, ça part de là. Tac, c'est parfait. On va allumer la lumière. Carte bancaire, pas de problème. 14 euros monsieur, voilà. Voilà, on va mettre en déj de pâtes là. Ils m'ont racketté les pâtes là. Ouh là là. Attends, vite avant qu'il soit trop tard. Donc, hop, on remet ça. Donc là, il va falloir céréales, pain de mie et pâtes. Ok. Hop, tac. Alors, céréales, pain de mie, pâtes, 55 dollars. Faut toujours avoir un petit peu de stock, de toute façon, c'est la base, hein. C'est la base de tous les magasins, hein. Hop. Hop là, bonjour monsieur, je suis Capic, pas de problème. Et voilà. Et ils ont une démarche. Je suis tout là. Fais la maligne. Donc là il est 9h, mais je vais avoir encore un ou deux clients. Voilà. Donc là, ouais, on a fait un petit peu de thune, mais on s'approche pas encore assez du frigidaire, quoi. Hein. Treize quatre-vingt-dix-huit, tac tac. Voilà, monsieur. Hop, 1 dollar, voilà. Plus 14 dollars. En vrai, on a du stock. Donc moi, je vous conseille de faire le stock avant de lancer la seconde journée, parce qu'après, vous allez voir que vous allez avoir quasiment plus le temps de faire le stock, où ça va être très très chaud à gérer en fait. Pain de mie, on a tout ce qu'il faut. Sucre, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander de la farine. En fait, ce que je veux toujours avoir une réserve. Donc, c'est pour ça que au début, ça va être long à se lancer. Tac, farine et céréales. Donc, ça fera 50 dollars le tout. Là, je peux plus. Hop, je peux plus faire. Donc, la day 2. Day 2, 70, plus 78. Hop, on ouvre. Hop, on vient direct commander nos achats. Voilà. Hop, on déballe et on met juste à côté. What? J'avais acheté 2 paquets de céréales?
Je m'en rappelle plus d'avoir acheté deux paquets de pâtes, pardon. Bah du coup, c'est quoi que j'ai pas acheté là? What? J'avoue, je suis perdu. Faire du vélo? Non. Ça vit bien, n'empêche, hein. Mais oui, déjà, je trouve que c'est bon, c'est un jeu de chill, hein, entre nous, hein. C'est pas un jeu à faire câbler tout le monde, hein. Mais c'est un jeu de chill, quoi. Bonjour monsieur. Carte bancaire, hop là, 19,48, voilà, bonne journée à vous. Bonjour monsieur, en espèces, il n'y a pas de problème, 1 dollar. Allez, bonne journée à vous. Bonjour madame, juste des pâtes, d'accord, hop, bonne journée. Donc, les amis, donc écoutez, j'ai avancé un petit peu en parallèle, pour éviter que ce soit trop redondant pour vous. À savoir que j'ai bien avancé et du coup j'ai pu acheter comme j'avais acheté la licence avec vous et là du coup ça m'a permis de rajouter les cafés et l'huile en plus de ce que j'avais déjà au préalable. Donc ce qu'on va faire, chose très importante, voilà, c'est directement payer. Hop, un frigo. Et donc là, après, il va falloir agrandir. Donc c'est encore 350. Hein, ils sont pas chers non plus. Tac, donc là, on a un frigo. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à prendre de l'eau, des trucs dans ce genre. Alors, on va ouvrir. Hop. Et nous, on va regarder au niveau... Tac, des marchandises. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là avec peu d'argent? Bah on peut même pas prendre du lait, je crois. Ah si, on peut prendre du lait. Il me reste 95 centimes, c'est parti. Ça part de là. Oui, bah le monsieur il va attendre. D'accord. 375. Ok, parfait. Bonjour monsieur. Donc 20, 10, hop, 25, parfait. Donc, vous allez me dire pourquoi je remplis pas le reste avec les autres amants, parce que ça sert à rien. En fait, c'est juste rajouter des trucs. Alors que, entre guillemets, ça va être déjà compliqué de remplir juste une armoire, vous allez voir. Hop là, bonjour madame. Par carte bancaire, très bien, 13,98. C'est parfait, bonne journée à vous. Pas trouvé trop mal, calme-toi. On vient de l'ajouter, c'est une nouveauté, on teste encore les performances du lait. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein, d'accord. Bon, je vous priorise de vous calmer. Bon, admettons, je vais acheter un de chaque là. Ça me ferait 55 dollars. Donc, on peut pas l'acheter maintenant. Et oui, j'ai oublié de vous dire. À chaque jour, en fait, il y a l'économie. Là, par exemple, les pâtes, elles ont pris plus 99 et la farine moins 99. Enfin, moins un pourcentage, quoi. C'est pas 99 centimes. Hein. Parce qu'elles valent 99 centimes de base. Donc, merde. Hop là. Carte bancaire. 6,75. Tac. Donc on commence à avoir une petite supérette là. Hein. C'est pas dégueu. Bonjour, bonjour, Trevor. Pardon, j'ai bugué. Yep là. Et voilà pour vous. Bonjour madame. 18,98. Hop là. C'est bon, il y a encore tout ce qu'il faut. Bonjour madame. Putain, ça doit être chiant les questions. Oh! On reste enfermé, on doit dire H24 bonjour, ouais. Ils ont la foi, hein.
Donc là, il va falloir qu'on reprenne de la farine, des pâtes. Parce que j'ai plus de pâtes, farine, pâtes. Farine, pâtes, céréales. Farine, tac. Non, ça c'est good. Farine, pâte, céréales, café. Alors, hop, on va y aller direct comme ça, on va pas oublier. Alors, farine, pâte, céréales, café. Hop, j'ai pas encore assez de thunes, malheureusement. Ça, c'était sûr. 11 balles. Hop, 1, 2, 50 et 1. Au revoir, monsieur, pas d'avis. Ah, mais je crois qu'en plus ça va. Attends, mais ouais, c'est que j'ai rajouté les œufs dedans. Bon, bah, de toute façon, on va. Après celui-là, normalement, on peut l'acheter. 0,25, au revoir, monsieur. Voilà. La bite était trop grande. Hop. Tac. Il a 3,40 sur le marché. On va le mettre à 4,79. Allez, ça part de là. Hop. 6,75. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur, de votre achat. Au revoir, monsieur. Farine. Ah oui, je viens de rajouter de la farine. Tu viens de me prendre tout, toi. Ah, l'inflation présente, hein. Je vous le dis, vous allez le canner, hein. Hop, sa poubelle. Donc vous voyez, déjà, faut gérer tout ça. Oh, la salope. J'ai même pas eu le temps de mettre les prix à la prix des œufs. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, regardez, il passe à 3,98 au lieu de 4,98. J'ai le seum, j'ai le seum, je dois le dire. J'avoue, j'ai le seum. Onze balles, voilà, monsieur. Hop. 13,74. Merde, on a oublié le point. 13,74, merci, monsieur, de votre achat. Et une très... J'ai bugué. Je dirais, je savais pas entre. À une prochaine, à très bientôt. C'est eux en fait qui tapent dans le truc depuis tout à l'heure là. Attends, je vais pas me faire baiser comme tout à l'heure. On met 3. 3. Point 50. Voilà. Excusez-moi, messieurs. Je suis en train de mettre les prix. 20 euros. Merci, monsieur. 51. 36, pas mal. Je sais pas si 3,50, c'est. J'ai bien fait le mettre à 3,50 long. Je me demande. Ah d'accord, à Cannes déjà pour 3,50. On va descendre à 3, 3,30, allez, 3,30. 3,30, c'est mon dernier mot, je vous le dis, hein. Ah, il y a encore un qui veut blanchir son argent chez moi. Un, deux, trois, quatre. Cinquante-deux. Voilà. On va remettre un peu dans les étagères. Pile poil ce qu'il fallait. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Pain de mie. Hop.
elle, on va quand même refuel. Sans les 9h, hein. Donc là on va avoir plus trop de clients qui vont arriver. On va remplir juste les étagères qui sont comme celle-ci. Attends, hop là, il est fou. Donc là, attends, on a vidé quoi? On a vidé. Attends. Oh, je sais même plus ce qu'on a vidé. Si, le thé. Le thé, l'huile. Thé, huile et sucre. Voilà. Tac, on va aller directement ici pour. Alors, thé, huile et sucre. Et attends, est-ce qu'on a. Je vais reprendre des œufs et du comté. Hein. Comté et œufs. 126 balles. Y a personne d'autre qui va arriver là? Peut-être la jolie demoiselle là. Après, on gagne du bénéf, hein. Déjà, en plus, on est déjà level 6. Non, madame, vous n'êtes pas intéressée? Allez, un petit encart. Non, bon, c'est pas grave. Allez. Jour 5. On commence une nouvelle journée. La farine a baissé, mais on s'en fout. Mon royal. Voilà. Je dis les termes. Donc, on est repassé à 82 dollars, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que là, on a tous les stocks qu'on voulait. Tac. Voilà. Hop, le sucre, on va le mettre ici. Et l'huile. Par contre, l'huile, j'aurais dû en prendre deux parce que. Non, en vrai, ça va. Merde, j'ai oublié d'open. Hop là. Ça, c'est un truc important de faire le open parce que putain, là, j'aurais pu avoir des clients en attendant de ranger. Et là, je vais me retrouver comme un con à attendre, quoi. Après, en vrai, c'est pas une. Ouais. Parce que, attends, l'agrandissement, il coûte combien? Parce que je peux faire aussi des prêts, hein. Banque, voilà, je peux. Quotidien 37 $, durée 25 jours. Putain, il est 0,01 le prêt. Ça va, ouais. Et s'agrandir, c'est combien? 350. Donc, je pense pas que j'ai payé le. Je vais pas faire un prêt. 4,79 va falloir. C'est qui le con, Camille? Les prix, mais c'est moi. C'est. Qu'est-ce qu'il est con, ce con aussi. Donc, on va essayer de finir au moins cet objectif-là de. Tac. D'acheter une agrandissement de magasin. Au moins, ça serait le but. Le but là de la vidéo, c'est de finir le tuto en tout cas. Et si je vois que ça vous plaît, ce jeu. Reste tranquille, quoi. Dis pas que c'est trop cher. Fais-moi une mauvaise pub, tu vois. On va te retrouver, moi et mon équipe. Bah, pour l'instant, je suis une équipe de 1, mais. T'inquiète. Ah, j'espère qu'ils feront comme Business Tour, un truc dans ce genre, là. Business, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Tu m'as pris pour un con, toi. Hein. 51, et ouais, c'est pour vous, madame. Bonjour, monsieur. Mais tu travailles, tu t'es en costard, gros, et tu dis que c'est trop cher pour toi. Va à Leclerc. Mais wesh. Je perds trop de clients à cause de ça. C'est aussi des radins. Je baisserai pas les prix, les gars. Ça, c'est une technique que pour faire baisser, mais moi, ça ne fonctionne pas avec vous. Avec moi, autrement, vous ne viendrez pas ici, vous irez à Leclerc. Auchan, les trucs dans le genre, là. Qui coûte la peau du cul, qui nous coûte dessus. D'accord? Moi, c'est artisanal, messieurs. Enfin, c'est. C'est fait maison, quoi. C'est là. Vas-y, là, laisse-moi tranquille d'abord. Oh, ils vont là-bas, ils se niquent. Peut-être abuser un tout petit peu sur les prix, du coup. Non, mais même là, il dit pas un demi trop cher, c'est juste qu'il a pas de thune, ce clochard. Eh, tu payes pas, tu sors pas. Hein.
Mina qui est encore dans la cave là. Je te dirai pas pourquoi. Mais il est encore là-bas. Hein. Oh madame, en plus d'être charmante, vous avez bien payé, ça fait plaisir. Là, je pense qu'encore une bonne journée, là, et peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que demain on pourra agrandir notre magasin. Et en plus, à savoir qu'on a encore quand même un petit peu de. De marchandises à vendre, donc ça va. 17,75, merci bien. Bonjour madame. Pareil en espèces, c'est bien, c'est parfait. Il y a le compte, vous pouvez y aller. Bonjour madame. Wakanda. Let's go. Le café, c'est ce qui m'a fait le step-up de fou. Hein. Les pâtes, faut que j'en remette. Voilà, j'ai plus de stock de pâtes par contre. Voilà, hein, je le dis. Tac. Hop, on met l'huile, les cornflakes. J'ai quasiment vidé la boîte. Là, ça va tenir tant d'axe là. Hein. Vous prenez juste ça, madame? Dommage. Vous loupez énormément de trucs. Voilà, ça, j'ai rien. J'en ai rien à foutre. Elle s'est barrée en mode. Casse-moi pas les couilles, tu veux vendre. On a vendu qu'une boîte d'œufs et deux boîtes de comté. Attends, je vais vérifier les prix. Ah, c'est peut-être un peu cher, j'avoue, j'avoue. Voilà. 4,49. Et là, on va le. Hop, 4,77. 4,79, pardon, plutôt. Ah, toi, ouais, tu bouffes du bio, mais. C'est pas pour longtemps, toi. Hein. On va pas tarder à allumer les lumières. Lui, il va y avoir une grosse facture, lui. Lui. Ou même elle. 41 balles. Lui, il a rien pris, il a fait tous les rayons, il a quasiment pas rien pris, je suis dégoûté. Neuf, 79. Hop, on va allumer la lumière. Là, on est bientôt à acheter l'agrandissement. Bah, on peut déjà. Bah, voilà. Voilà, c'est fait. Donc, normalement, comme. Voilà. Hop, comme je vous disais, ça agrandit ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va. Non, on va laisser ça comme ça. Hop. Et ça, quand j'aurai fermé le magasin, je vais déplacer ça vers le fond. Wouah! Ah ouais, c'est des courses. Ah bah, tu me mets bien là, en plus, je viens de. De payer un truc là, donc. Non, là, tu m'as mis ultra bien. Attends, 2 secondes. Tac. Donc, c'est là, c'est quoi? J'ai des taxes à payer, je crois, après. Il va falloir que je mette un lampadaire au bout là. Attends, coûte combien le lampadaire? 40 dollars. Putain. Un 57. Boum. Bonjour monsieur. Oh, attends, tu vas me régaler. 12 dollars et 52 centimes. Voilà pour vous. Ouais, ils m'ont dévalisé le magasin en 2-3 temps de mouvement. Bougez pas. Avant que quelqu'un arrive. Hop. J'arrive, monsieur. Ah, ils ont vu que c'était pas cher chez moi. Hein.
Tac, du coup, farine, toujours pas, ok. Bah, ça tombe vraiment bien. Hop, parce que là, on est vraiment à sec. De chez à sec pour certaines denrées de notre magasin. L'huile, on est vraiment quasiment à court. Hop, les céréales, on est à court. Les œufs, on est à court. Le comté, ça va. Le sucre. Le carton, il est quasiment tout neuf. Le thé, tout neuf. Donc en gros, là, attends, faut que je reprenne. Pâte, huile, céréales. On va le faire petit à petit. C'est quoi ça, plafonnier? Ah oui. Du coup, attendez, on a dit céréales, farine, pain, pâte, huile, café et œuf. Voilà. Ça attends, c'est 197$. Ouh, j'ai eu peur. Alors, pour la fin de la vidéo, on s'est fait 218$. Donc là, on va pas ouvrir. Mais voilà, ce que je voulais voir et payer, c'était d'abord, attendez, ce qu'on va faire pour le dernier jour. On va dire c'est le dernier jour. Après, on arrêtera la vidéo. On va ouvrir le magasin, bien entendu. Donc vous voyez en plus que ça a encore changé. Hein, petit screen des familles. Mais voilà, c'est encore changé la devanture du magasin. Donc c'est plutôt pas mal. L'huile, on avait dit qu'il nous en restait, mais plus trop. Ça, c'est du pain de mie. Hop. On va le mettre là. La farine, on va la mettre là. C'est quoi? Ah oui, c'est le lampadaire. Hop. Les œufs, voilà. Hop. Hop, le café. Et ça, c'est les chocs. Connard. Ou connasse, comme tu veux. Donc voilà, on va aller voir les gestions. Facture. Donc là, comme vous voyez, j'ai tous ces loyers à payer. Donc, c'est normal, hein, c'est les jours d'avant précédents du tuto. Donc, je dois payer tout ça. Et en gros, vu qu'il y a une échéance, en fait, on paye tout ça, d'accord, ouais. Bonjour monsieur, vous tombez à pic, l'entreprise a besoin de pognon. Donc on va commencer par payer toutes les échéances. Et le prochain client, il m'aidera à payer les loyers. C'est un peu chiant les échéances, parce que j'ai l'impression que si on ne paye pas dans le jour même, eh ben c'est baisé. Oh, il prend que ça, sérieux. Merde. Bon, les amis, je vous reprends à la fin de la journée. Pour la simple bonne raison que je voulais pas non plus que la vidéo fasse trop longtemps et qu'elle soit regardable et que ce soit pas trop redondant avec mes conneries. Donc là, comme vous pouvez le voir, on vient de faire le dernier client et on a fait plus de 200 balles aujourd'hui. Enfin, on verra après le truc. Mais du coup, j'ai payé tous les trucs là, les factures bizarres. Et du coup, bah, on va payer tout le loyer de retard. Et là, du coup, on est à 189$ encore. Pour refaire nos stocks, donc on refera du stock de café, de sucre, de comté et de thé. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire là. Alors, on a dit sucre, café, comté, sucre. Et c'était quoi? Du lait. Du lait, du lait. Je vais même prendre des œufs. Du lait, des œufs.
Du lait et des œufs, donc comme ça pour la prochaine fois on aura notre truc là. Donc écoutez les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont kiffé la vidéo, même ceux qui n'ont pas kiffé. Je fais plein d'autres jeux. C'est une chaîne multigaming, donc ça pourra peut-être vous intéresser dans le futur ce que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit like si même vous avez à vous abonner, à lâcher des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez du jeu, ce que vous trouvez qui est bien et qui est pas bien. Voilà, si vous avez des trucs à me dire en commentaire, n'hésitez pas même à vous faire savoir si vous avez envie d'avoir un deuxième épisode sur ce jeu. Voilà, je serais heureux de le faire. À votre demande, bien entendu, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Tchuss tout le monde.